Experience tranquility. Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour un tout nouveau let's play. Un let's play de la tranquillité sur quelques épisodes seulement. Parce que, est-ce que vous avez jamais voulu tout plaquer? Voilà, vous êtes en ville, vous avez une vie assez énervée en ville. Est-ce qu'il y a des jours où vous n'avez pas envie de tout plaquer? Moi si, ça m'arrive. Et donc ce jeu-là, le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Stardew Valley. C'est un mix entre un Harvest Moon et un Animal Crossing. Il prend ce concept, le concept du plaquer cette vie consumériste, très capitaliste de la ville, pour aller reprendre une ferme. Voilà, tout simplement, reprendre le contrôle d'une ferme dans une petite ville de province, peinard, avec des petits mystères, des trucs comme ça, des gens à voir. C'est un jeu tranquille, c'est un jeu peinard que je vais vous présenter sur trois petites vidéos, je pense que ça suffira, sur le concept du jeu, comment on fait, comment on joue. Vous verrez, c'est super sympa, c'est très addictif, et en plus c'est pas super cher. Allez, sur ce, nous sommes partis pour une toute nouvelle aventure. Donc voilà, nous allons faire une nouvelle partie, tout simplement, hein. On va... Voilà, donc ça c'est la création du personnage. On peut aléatoire, évidemment. On va faire une nana, ça pour une fois. Voilà, ça me va très bien. Hop, le nom de la ferme... je l'avais appelé My Farm dans ma vraie partie. On va peut-être un peu changer. Et... C'est débile, mais voilà. Favorite thing. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Bonne question, faudrait que je vérifie. En fait, ce que je fais, c'est que ce jeu-là, je le fais beaucoup avec le wiki à côté, parce qu'il y a énormément de trucs. Enfin, je vais vous montrer plus tard, mais il y a énormément de trucs dans tous les sens, des petits secrets, des petits machins. Et en fait, à trouver tout seul, c'est vraiment impossible. Du coup, je me base pas mal sur le wiki pour chercher des trucs. Alors, du coup, favorite things, on va dire YouTube, parce que voilà, on est sur YouTube. Animal préférence, je suis plus chat que chien. Et puis voilà, après la couleur, bon, c'est un petit test, donc on va pas... Bon, le pantalon est un peu dégueulasse. On va peut-être changer. Voilà, un peu bleu, pourquoi pas. On va pas skip l'intro. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qui est important, c'est choisir la ferme. Par exemple, la standard farm, je vous la montrerai sur ma partie principale dans le troisième épisode, où je vous montrerai une partie vraiment avancée. Dans ce premier épisode, on va vraiment se concentrer sur les débuts du jeu, les principes. Dans le deuxième épisode, je vais vous montrer un petit peu comment on joue à un niveau moyen, entre guillemets, quelles sont les différentes choses à faire. Et voilà, dans le troisième épisode, je vous montrerai une ferme beaucoup plus avancée. Donc, une ferme standard, c'est très très open, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de grandes surfaces pour faire la ferme. Riverland Farm, c'est... D'accord, donc là, c'est plutôt avec une rivière. Forest Farm, c'est plutôt avec la ferme. Voilà. Le Rocky Terrain, ça c'est plus une ferme avec des minéraux. Wilderness Farm, c'est des monstres la nuit. Donc ça c'est bien si vous voulez farmer des monstres. Donc ce que je vous propose, un petit truc sympa, on va prendre la rivière. La rivière, et bien c'est parti. Sachant qu'il y a une petite intro, évidemment il y a une histoire. Donc voilà, je vous fais rapidement la traduction pour ceux qui sont pas bilingues. En gros, le grand-père, qui semble être mourant, nous file une lettre
qu'on ouvrira le jour où on se sentira vraiment écrasé par la vie moderne et qu'on aura envie de changer d'air. Et donc là, nous nous retrouvons dans une entreprise. Au départ, je croyais que c'était écrit Jojo, mais bon, c'est pas Jojo Bizarre Aventure, non, c'est écrit Joja. C'est une parodie de Coca-Cola, on voit. C'est des bureaux, on voit même un cadavre à droite, tout à droite. C'est, vous savez, ce genre de bureau où les open space, voilà. Et donc là, on se dit, c'est quand même un peu chiant la vie. Hein. Ma chère Célandra, si tu lis ceci, tu dois avoir envie de changer un petit peu. C'est super dur de traduire en même temps qu'on lit. La même chose m'est arrivée il y a un longtemps. J'ai perdu de vue ce qui était important pour moi dans la vie. Les vraies connexions avec les autres et la nature. Donc j'ai tout lâché et j'ai déménagé tout à un endroit où je dont j'appartenais vraiment. Donc en gros il a créé The Farm located donc situé dans Stardew Valley sur la côte sud, meilleur endroit pour commencer une nouvelle vie. C'était mon plus précieux cadeau et maintenant c'est le tien. Je sais que tu vas honorer le nom de la famille. Bonne chance. Love, Grandpa. Post-scriptum. Si Lewis est encore en vie, dis-lui bonjour de ma part. Hein? Ok, c'est super dur de traduire directement. Je vais essayer de faire mon mieux. Je comprends tout, hein, c'est pas un problème. C'est juste que traduire directement comme ça, je peux pas parce que moi je le comprends en lisant, quoi. C'est super dur. Voilà, on prend le bus pour arriver à Stardew Valley. Donc vous l'aurez remarqué, hein, le style du jeu fait très 16 bits. Et moi j'aime beaucoup. Voilà, on arrive à Stardew Valley. Bonjour, tu dois être Célandra. Je suis Robin, le charpentier local. Le maire Lewis m'a envoyé ici pour te montrer le chemin vers ta nouvelle maison. Il est là-bas maintenant, il est en train de préparer des trucs pour ton arrivée. La ferme est juste à côté, si tu veux me suivre. Donc voilà ma ferme. Voici la ferme. Oh mon dieu. Oui, c'est vrai que c'est un peu en bordel. Quel est le problème? Oui, bon, c'est vrai, c'est un petit peu le bordel. Mais il y a un bon sol juste dessous. Avec un petit peu d'attention, tu auras tout clean dans pas très longtemps. Et voilà, ta nouvelle maison. Ah, le nouveau fermier. Bienvenue, je suis Lewis, le maire de la ville Pelican Town. Tu sais, tout le monde a été très impatient de te voir, on va traduire ça comme ça. Et c'est pas tous les jours que quelqu'un arrive, c'est vraiment un événement important. Alors, tu déménages dans le cottage de ton grand-père. C'est une bonne maison très rustique. Rustique, c'est une façon de dire. Crusty, comment je traduirais crusty? Croulante, c'est plutôt le meilleur mot. Ne l'écoute pas, Célandra. Elle est juste en train d'essayer de faire en sorte que tu sois dissatisfait pour que tu sois insatisfait pour que ça elle t'oblige à acheter des upgrades de la maison. Bon, alors, tu dois être fatigué de ton voyage. Tu devrais prendre un peu de repos.
Demain, tu pourras explorer la ville un peu et t'introduire au niveau des anciens habitants. Les habitants de la ville pourraient apprécier. Ah, j'ai failli oublier. Et si tu as quelque chose à vendre, juste placer dans la boîte juste à côté. Je passerai durant la nuit pour tout récupérer. Bon, bah, bonne chance. Nous voici le premier jour. Oui, bon, les mouvements. Ah d'accord, c'est. Bon, 2 secondes, je vais m'occuper de. Hop. Voilà. Donc voilà ma maison. Elle est comme ça. Sachant que. Oh, j'ai obtenu des parsnipseeds. Donc j'ai mes premières. J'ai mes premières graines. Elles ont été offertes par le maire. J'en ai 15, c'est pratique. Et donc là, il y a les quêtes. Getting started, donc c'est cultivate un harvest parsnip. Donc en gros, cultiver et récolter un parsnip. Je sais pas comment traduire un parsnip. Et sinon, introduction, il faut que je parle aux 28 habitants de la ville. Donc là, nous avons la télé, donc avec le weather report, donc qui donne la météo du lendemain. Sachant que la météo est toujours sûre à 100%, pas comme chez nous. Roue de la Fortune, je sais pas. Et Living of the Land, je pense que c'est une chaîne, voilà, tout simplement. Toc, on peut foutre le feu ici. Il y a un petit râteau. Il y a des petits trucs décoratifs. On peut les déplacer et les remplacer. D'ailleurs, on peut même déplacer les vitres. C'est super cool. Là, vous avez le jour, ainsi que le jour. Le numéro du jour et la date du jour. Sachant qu'il y a 4 mois en fait dans une année. Attendez, hop, je vais mettre en pause rapidement. Il y a 4 mois en une année. Et que ces 4 mois en fait séparent les 4 saisons. Et chaque mois fait 28 jours. Donc 4 semaines. Voilà. Donc par exemple, le premier mois c'est toujours le printemps. Le deuxième mois c'est toujours l'été. Le troisième mois c'est toujours l'automne. Et le quatrième mois c'est toujours l'hiver. Et il y a des trucs évidemment différents à faire pour chaque mois. Donc un petit peu d'interface. Vous avez deux bases. Hop, je vais organiser un petit peu mon inventaire. De base, vous avez un arrosoir, une faux, une pioche, une bêche. Ouais, une bêche. J'allais dire une biche, mais c'est pas du tout ça. Une bêche et une hache. Bon, en plus, j'ai des graines. Vous avez aussi 2 lignes d'inventaire que vous pouvez débloquer en récoltant de l'argent et en achetant auprès d'un magasin. Je vous montrerai après. Là, vous avez vos skills, parce que oui, c'est aussi il y a aussi un pas mal un aspect RPG. Vous avez 4 catégories de 5 catégories de skills, je sais plus compter. Le farming, mining, foraging, c'est la récolte de trucs dans la nature, le fishing et le combat. Voilà. Et vous avez 10 niveaux comment ça s'appelle? Par catégorie de d'armes, enfin par catégorie de merde, d'expérience. Et chaque niveau vous débloque de nouvelles choses, des trucs à crafter, etc. Au niveau du social, vous avez tous les habitants de la ville ainsi que les cœurs qui indiquent votre niveau de relation avec les habitants. Là, vous avez la carte. Donc là, vous avez ma ferme qui. Ouais, c'est carrément sur un lac en fait. Vous avez ma ferme, vous avez plein d'autres endroits. Vous avez la tour du sorcier, vous avez la forêt cachée. Il y a plein d'endroits. Il y a vraiment plein d'endroits. La carte est assez grande. Vous passez pas mal de temps à vous balader dedans. Au niveau du crafting, vous avez quelques items déjà de base, évidemment les coffres, tout ça, les trucs de base. Mais vous pouvez avoir plein d'autres choses que vous débloquerez au fur et à mesure. Collection, c'est tous les items que vous pourrez récupérer. Donc, il y en a vraiment, mais vraiment un paquet, sachant que tout ce qui est récupéré, c'est vraiment la galère. Et bon, là, il y a les options, etc. Voilà, donc nous allons sortir un petit peu, nous occuper de notre première journée de comment ça s'appelle, de farmer, de fermier. Donc voilà, avec la faux, on peut couper un petit peu les trucs comme ça. On peut aussi couper de l'herbe, sauf que je vous déconseille d'en couper comme ça de base, parce que ça peut vous servir directement pour les animaux que vous pouvez avoir dans votre ferme. Parce que ça permet de faire du fourrage, et ce qui est très important pour ces animaux. Mais vous voyez un petit peu le problème, c'est que actuellement, la ferme est en gros, gros, gros bordel. Hop, on peut couper des trucs comme ça, hein. Votre argent est là, évidemment. Hein. Ici, là, vous avez l'heure aussi, pas oublier. Voilà, je vais essayer de passer par ici pour montrer. Donc là, il y a une sortie, il y a toujours une sortie sur n'importe quelle ferme. En fait, il y a une sortie vers le sud.
qui on se retrouve hop ici. Voilà, donc ça c'est pas la partie principale de la ville hein, évidemment. Là nous sommes plutôt du côté du lac. Il y a la vendeuse de. Ah oui c'est fermé. Oh, je vais rester un petit peu chez moi. Il y a la vendeuse d'animaux qui vous permet de vous vendre des animaux. Par contre, il faut construire les bâtiments pour accueillir les animaux d'abord. Donc pas tout de suite. Je vais essayer de vous montrer autre chose. Donc voilà. Vous avez votre ferme ici. C'est vrai que j'aurais dû m'occuper de ma ferme de base. Vous avez votre ferme ici, il y a pas mal de choses de disponibles de base dans la ferme. Enfin, vous avez un grand espace, d'une manière générale. L'espace est assez important. Bon là c'est un peu le bordel parce que j'ai pris la ferme avec la flotte. Du coup il y a pas mal de flotte et pas énormément d'espace pour poser directement des endroits genre des zones de cultivation de culture cultivation. Ça n'existe pas comme mot. Mais dans chaque ferme il y a toujours une serre délabrée que vous pouvez reconstruire plus tard dans le jeu, ainsi que le shrine, donc l'autel du grand-père. Célandra, attends mon retour on the dawn of the à la fin de ta troisième année. Donc en gros, à la fin de la troisième année, le grand-père reviendra pour juger l'état de ta ferme et ta relation avec les habitants. Voilà. Donc bien sûr, tout ça est donné dans le wiki. Je vous enjoins vraiment, vraiment à lire le wiki si vous jouez à ce jeu. Vous pouvez le faire sans, bien évidemment. Vous pouvez très bien le faire sans. Par contre, il y aura vraiment des petits trucs, mais des tout petits machins qui vont me manquer si vous voulez vraiment prendre le jeu à 100%. Il y aura vraiment toujours des petits trucs qui vont me manquer. Et le wiki, c'est fort utile, surtout pour aller dénicher des trucs vraiment, vraiment tordus, comme des zones cachées, des trucs comme ça. Parce qu'il y en a vraiment un peu partout. Il y a énormément de trucs. Je crois avoir passé un peu plus de 40 heures déjà, et pour l'instant, je crois que j'ai pas fait le tiers du jeu, j'ai l'impression. Il y a énormément de choses à faire. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu la base du jeu, qui consiste surtout en de la culture. Vraiment, enfin, de l'occupation de la ferme, c'est évident. C'est évident. Donc ce que je vous propose, c'est de cultiver nos premiers parsnips. Donc pour ça, merde, voilà. On va commencer par cultiver un petit peu nos premiers parsnips. J'en ai fait 9. C'était pas forcément la meilleure idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais dû en mettre 5 plutôt que 6. Bon, je me suis complètement chié, mais c'est pas grave. Ok, donc ensuite, là, ça suffit pas de mettre juste les graines sur du sol. Il faut les arroser, et ce, tous les jours. Donc voilà, on est obligé d'utiliser l'arrosoir. Sachant que, je sais pas si vous avez vu, en bas à droite, il y a votre jauge d'énergie. Jauge d'énergie qui diminue à l'utilisation de tous les items. Évidemment, pas les items de genre épée, par contre, parce que ce serait vraiment trop horrible. Mais la plupart des items comme la faux, la pickaxe, tout ça nécessite, même l'arrosoir, nécessite de l'énergie. Et surtout quand ils sont encore en truc de base, parce que bien sûr on peut les upgrade, les améliorer, quand ils sont encore en truc de base, ils consomment énormément d'énergie. Plus vous les améliorez, moins ils consomment d'énergie. Donc là il y a la boîte où on peut ranger des trucs qu'on veut vendre. Mixed seed. Ouais, ou alors je vais planter les mixed seeds, vous savez quoi, tant pis. Alors, bien évidemment, watering can, là, donc l'utilisation de l'arrosoir tous les jours. À bout d'un moment, vous pouvez plus, c'est trop horrible, ça sert à rien, ça vous bouffe toute votre énergie, tout ça, c'est juste impossible. Donc, évidemment, vous pouvez crafter plus loin dans le jeu ce qu'on appelle des sprinklers. Sprinklers qui permettent d'arroser automatiquement tous les matins à 6 h du matin, ça arrose automatiquement tous les plants. Et plus les sprinklers seront élevés, plus ils arroseront. Au début, vous pouvez arroser que 4 plantes d'un coup. Donc, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer rapidement. Vous posez un sprinkler ici, par exemple, là où je suis, et ça arrosera les 4 coins. Bon, c'est pas fou. Le deuxième sprinkler arrosera les 8 tiles autour. Et le sprinkler le plus élevé, qui coûte assez cher à la fabrication, il arrosera 2 cercles autour de vous. 2 cercles carrés, évidemment. Donc ça fait 24 éléments. Donc c'est vraiment pas mal. Au bout d'un moment, vous êtes obligé de passer par les sprinklers, sinon c'est juste impossible, vous passez votre journée à arroser des trucs. Donc voilà, nous arrivons en ville. Il y a pas mal d'habitants dans la ville. Là, il y a le médecin, je crois. C'est Harvey le docteur. Là, vous avez des maisons. Vous pouvez pas rentrer dans toutes les maisons, évidemment. Là, vous avez Jody qui voilà, qui nous dit bonjour.
Là, il y a Caroline. Donc là, il y a la maison du docteur. Ah, voilà. Là, vous avez le calendrier, ce qui vous indique à la fois les anniversaires, ce qui est important si vous voulez verser dans le social, ainsi que les festivals. Mais non, les festivals. Voilà, les différents événements qui ont lieu durant le durant chaque mois. Donc, par exemple, ici, le 13 de l'année du printemps, vous avez le festival des yeux. Le 24, vous avez la fleur intense. Voilà. Donc là, vous avez chez Pierre. Chez Pierre, qui est le vendeur principal de la maison. Là, vous avez Léa. Ah, c'est pas de Léa. J'ai jamais fait gaffe. Vous avez Léa. Ici, vous avez Pierre, donc le vendeur, qui vous vend tout ce que vous pouvez trouver à chaque saison. Évidemment, ce sont les items qui sont adaptés à la saison où vous êtes. Par exemple, là, vous avez les parsnips. Vous avez tous les items de récolte de chaque saison. Vous avez aussi les seeds pour les arbres, parce que vous avez des arbres fruitiers. Ces arbres fruitiers, ça coûte cher, par contre, ça coûte très très, très cher. Ces arbres fruitiers qui produisent, qui mettent longtemps à pousser, mais qui produisent pas mal de fruits. Voilà. Vous avez aussi divers éléments pour faire la cuisine. Voilà. Que dire de plus? Il vend aussi les backpacks, sachant que le premier vous upgrade à 24 slots et le dernier vous upgrade à 36. Voilà, donc en fait, il vous permet de débloquer cette première ligne et la deuxième ligne. Je vous conseille vraiment de prioriser le déblocage de vos slots, parce que sinon vous allez en avoir vraiment marre. Voilà, donc là c'est Pierre, vous avez le reste de sa maison ici, vous avez la chambre de la fille de Pierre et Caroline. Là vous avez l'altar, donc c'est un truc pour je sais pas quoi, en fait je sais pas à quoi ça sert, à part que les gens ils viennent prier. Ce que je devrais faire aussi, je pense, ouais, je vais acheter des seeds, tant pis, hop, j'en ai acheté 10, j'ai plus de thunes, c'est pas grave. De toute façon, vous allez voir, l'argent ça revient vite, surtout quand on fait diverses activités. Donc vous pouvez fouiller les poubelles, c'est assez intéressant. Il y a plein de maisons différentes. Hop, je vais essayer de vous montrer les zones d'intérêt. Donc là, vous avez Maru qui a une tête bizarre, elle est violette, ça me fait trop peur. Là, vous avez Abigail. Voilà, là vous avez un centre Joja, en gros c'est le Joja Mart, c'est le supermarché du coin. Vous pouvez acheter la même chose, mais généralement c'est plus cher. Voilà, 62, je sens que j'ai acheté 50. Sachant que vous pouvez acheter aussi un membership ou un truc comme ça, je crois qu'il permet de diminuer un peu le coût. Je sais pas trop, honnêtement je me suis jamais trop occupé de cette zone là, du côté de chez Joja. Je suis pas trop fan de... Je préfère payer local pour le coup. Là, vous avez le forgeron qui vous permet d'upgrade vos tools. Par exemple, en copper, mais il vous faudra des copper bars qu'il vous faudra crafter. Donc, ce qui vous permet d'utiliser des armes plus... Enfin, des équipements plus efficaces. Et en même temps, d'utiliser moins d'énergie à l'utilisation. Voilà. Là, vous avez la librairie qui vous permettra de... À qui vous donnerez, en fait, tous les artefacts. Vous avez Gunter qui vous permettra de donner tous les artefacts que vous récupérerez durant vos aventures, et ces artefacts seront exposés ici, et sachant que plus vous récupérez d'artefacts, plus vous aurez des récompenses. Ouais. Voilà, donc là il manque des bouquins, il y a des bouquins à trouver. J'essaierai de vous montrer où est-ce qu'on peut les trouver, parce qu'il y en a plein partout, c'est très drôle. Donc voilà pour les premières zones d'intérêt de la ville. Il y a énormément de trucs à débloquer, bien évidemment. Je vous enjoins vraiment les premiers jours à rechercher un petit peu, fouiller dans la ville et ses alentours. Là, vous avez des trucs que vous pouvez un petit peu trouver, comme le daffodil, qui sont des trucs qui augmentent votre foraging. Voilà, la compétence de foraging que je vous ai montré, elle est où? Elle est là, et ben ça s'augmentera en récupérant des trucs dans la nature comme ça. Voilà, donc là, vous avez un petit parc gentil. Là, vous avez le. Comment ça s'appelle? Merde. Le centre communautaire qui est complètement délabré, qui sera une partie très importante du jeu. Par la suite. Hein, je vais monter un petit peu au nord pour vous montrer ce qu'il y a au nord. Donc là, vous avez Robin, donc qui habite ici. Qui habite ici avec différentes personnes. Donc il y a un gros geek dans la cave, un scientifique. Là, c'est la zone où vous pouvez acheter... Bon, là, voilà, le geek est là.
On peut pas rentrer dans les chambres si on n'est pas copain avec les personnes. Donc faut leur discuter quand ils sont dehors. Donc ici, Robin, quand elle travaille, elle retravaille ici. Vous pouvez acheter différents éléments pour décorer votre maison ou des upgrades pour votre maison. Donc voilà, là il y a son mari. C'est Démétrius. Au-dessus, vous avez la caverne du SDF, parce qu'il y a un SDF dans la ville. Enfin, c'est pas vraiment un SDF, mais en gros, c'est un clochard. Là, vous avez la mine qui est pas encore accessible, parce qu'il y a un éboulement, il faudrait l'enlever. Et puis voilà, plus haut... Est-ce que je peux passer par là? Je crois pas. Hein. Plus haut, vous avez la guilde des aventuriers qui vous demandera d'aller explorer la mine. Bon, par contre, c'est pas tout de suite. Du coup, je vais pouvoir redescendre. Je vais redescendre rapidement, je vais aller me diriger du côté de la plage, pour montrer un petit peu ce qu'il y a du côté de la plage. Donc, me voilà du côté de la plage. Donc, il y a des coquillages à ramasser, ce genre de truc. Vous avez des pontons. Là, vous avez un bâtiment de pêche, où en fait, on vous filera, je crois, c'est le 2 qu'on vous file. Voilà, c'est Garden Fishing, I'll be back tomorrow. Le 2 de la première année, où vous file une canne à pêche qui vous permettra de pêcher des poissons. C'est important parce que ça vous fera une sacrée source de revenus, surtout au tout début. Au tout début du jeu, vous aurez besoin d'une grosse source de revenus assez facile. Et les poissons, c'est quand même très simple pour avoir un peu d'argent. Là, vous avez chez quelqu'un, mais bon, c'est fermé. Là, il faudrait 300 pièces de bois pour le fixer. Vous en aurez besoin, honnêtement, faites-le assez vite. Surtout si vous voulez vous marier, parce que là-bas, en fait, il y a le vendeur d'un item qui vous permettra de vous marier avec une personne. Parce que oui, on peut se marier, on peut même divorcer, on peut même avoir des enfants, on peut même tuer les enfants, enfin pas vraiment les tuer, mais on peut les marabouter pour les faire disparaître après un divorce. C'est très drôle. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est vraiment Harvest Moon mixé avec Animal Crossing, avec un petit côté RPG en plus. C'est vraiment un jeu qui est addictif, qui est sympathique, qui est reposant, qui est vraiment reposant. Jouer le fermier comme ça, c'est très sympa. Même si je sais que personnellement la vie de fermier c'est pas du tout mon trip. Pour avoir déjà essayé, c'était pas fou. Hop. Là je vais planter les patates parce que c'est bien de toujours optimiser un petit peu votre ferme. Éviter de laisser des jours où vous pouvez rien faire. C'est pas foufou. En fait c'est assez étrange parce que autant vous pouvez vous coucher tout de suite et faire passer la journée directement, c'est-à-dire à 6h du matin, vous pouvez ce que vous voulez, vous pouvez vous recoucher, vous ferez rien de la journée, mais vous passerez directement à la journée d'après. Mais vous pouvez aussi vous coucher à 2h du matin, sachant que ça a des effets différents. Par exemple, si vous vous couchez à 2h du matin, vous ne réveillerez pas à 6h, mais plus tard. Ainsi que votre énergie ne sera pas forcément remontée au max. D'ailleurs, un petit conseil, ne baissez jamais votre énergie à fond. C'est-à-dire si vous tombez à zéro, déjà vous risquez de crever. Enfin, de tomber évanoui et que ça on vous rattrape quelque part. Mais en plus de ça, vous êtes obligé en fait. Le lendemain matin, quand vous vous réveillerez, vous aurez qu'une moitié de jauge d'énergie. Et c'est très chiant, parce que vous aurez besoin de beaucoup de votre énergie, surtout au début. On peut augmenter la jauge, on peut l'augmenter à 500 et des patates, mais c'est compliqué d'augmenter cette jauge. Hello there, just gone back from fishing. Donc en gros, là, il y a le fisherman qui est là. Et qui vous dit de passer le voir, parce qu'il aura quelque chose à vous filer, c'est la canne à pêche. Hop, j'aurais dû vendre les trucs de foraging que j'ai récupéré. Donc voilà, le petit rituel de tous les matins quand vous commencerez à faire votre ferme, c'est s'occuper des plantouilles. Hop. Ok, nickel, j'avais juste pile assez. Donc là, on va aller du côté de la... Je vais déjà vendre ces merdes. Bon, ça, j'en aurais pas besoin tout de suite. Je vais aller du côté de la mer pour aller récupérer les items. Enfin, récupérer la canne à pêche. Là, vous avez un truc, voilà. Vous voyez, il y a eu des vers de terre. Et les vers de terre, généralement, ça veut dire quelque chose de dessous. En l'occurrence, j'ai trouvé un Lost Book qui me permet de remplir la collection de la librairie. Et la librairie, en fait, elle vous donne aussi des indices. Elle vous donne des petits trucs, en fait, des petits tips qui peuvent être pour certains très très intéressants et que je vous enjoins vraiment à récolter un maximum de bouquins. Voilà, donc là je vais du côté de la mer. Gigo. Bonjour, Miss.
J'ai entendu qu'il y avait un nouveau venu en ville. Ah, je suis content de te voir. Je suis toujours en train d'essayer de. Ok, d'accord. Il parle un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Il a vendu un paquet de bons poissons. Il a enfin économisé assez pour une nouvelle canne. Je veux que tu récupères mon ancienne canne à pêche. J'aimerais bien que l'art de capturer, de pêcher des poissons reste en vie. Et voilà. Et si tu veux, tu pourras acheter un truc de mon échoppe. Quand tu veux. Voilà. Donc là, j'ai reçu la canne en bambou. Il existe trois cannes à pêche, je crois. Il y a de la bonne eau dans la vallée. Plein de poissons. Du coup, j'ai ouvert mon échoppe et de nouveau ouverte si tu veux acheter des trucs. Je peux aussi acheter n'importe quoi ce que t'as chopé. Si ça sent, ça se vend. Et voilà. Donc après ce jeu de mots de merde, en gros, on obtient la canne à pêche, ce qui est fort pratique pour pêcher du poisson. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop, donc là, ce que vous faites, vous avez une jauge comme ça qui apparaît. C'est quand vous maintenez le clic gauche. Il faut essayer d'atteindre, voilà, le maximum. Donc là, je l'ai pas eu. Donc ça vous permet de projeter votre canne à pêche. Là, vous attendez. Vous pouvez attendre longtemps un peu aussi. Pop, pop, pop. Alors, ça peut être très rapide comme très long. Et en gros, faut attendre un petit bruit. Ça fait trrr. J'ai absolument. Voilà, c'était ce bruit-là. Donc là, vous obtenez un hit. Donc en gros, ce qui se passe, vous avez un cadran vert qui est derrière le poisson. Putain, c'est horrible. Il faut vraiment que je fasse ça. J'ai l'habitude d'une bien meilleure canne à pêche. Vous avez un cadran vert qui est derrière le poisson. En appuyant sur le bouton gauche, en fait, ça vous permet d'augmenter la position du cadran vert. Ah, voilà, max. La position du cadran vert. Et cette position, elle permet de faire augmenter la jauge qui est à droite. Donc faut toujours rester derrière le poisson. En appuyant un petit peu. C'est vraiment un coup à prendre en main. Et plus vous achèterez des améliorations pour votre canne à pêche, enfin plus vous achèterez une meilleure canne à pêche en gros, plus la zone verte derrière le poisson sera importante et ça sera beaucoup plus facile de pêcher des trucs. Parce qu'au début, faut bien avouer que la zone elle est vraiment cancer, surtout quand le poisson il s'amuse à faire de la merde comme ça. Déjà qu'avec comment ça s'appelle? Merde, les dernières améliorations, il y a certains poissons qui sont vraiment durs à choper tout seul. Donc voilà. Et vous pouvez passer des heures et des heures comme ça à pêcher. D'ailleurs, un petit tips, enfin, quand vous utilisez la ferme rivière, là, comme la mienne, il est rentable de pêcher du poisson toute la journée. Voilà. Ça vous permet d'aller assez vite. Et de temps en temps, voilà, comme ça, il y a des coffres qui vont apparaître. Alors, je vais pas le lâcher parce que c'est. Il faut faire exactement la même chose derrière le coffre pendant l'utilisation de la jauge pour comment dire? Merde. Et pour gagner le coffre en fait. Mais il faut réussir à gagner le coffre et le poisson. Donc c'est un petit peu difficile, surtout avec la canne à pêche de merde que j'ai actuellement. Sachant que vous pouvez aller acheter jusqu'à l'Iridium Pole, je crois qu'il est la meilleure des cannes à pêche. Et vous pouvez aussi. Alors pas sur celle-là, mais vous pouvez aussi accrocher des appâts ou des meilleurs comment ça s'appelle des meilleurs. Oh je sais pas, je connais pas le petit truc qu'on met au bout de la ligne. Pas l'appât, mais vraiment le machin qu'on met au bout de la ligne. Je suis vraiment nul en pêche. Voilà. Et donc il y a plein d'endroits où vous pouvez pêcher. Vous pouvez pêcher ici. Vous pouvez pêcher dans la rivière qui est ici. Vous pouvez pêcher chez vous. Vous pouvez pêcher dans le lac. Vous pouvez pêcher dans la mer. Et les poissons seront différents selon l'endroit où vous pêchez, l'heure où vous pêchez et le comment ça s'appelle? Merde, la saison. Voilà, donc il y a vraiment plein de possibilités. C'est pour ça que je vous dis que clairement, il faut jouer avec les wikis, surtout si vous voulez compléter les collections. Parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Voilà. Hop, je vais poser ça là-dedans pour la vente. Que devrais-je faire en plus? Parce que. Je voudrais aussi que je vous montre des trucs, mais dans le prochain épisode. Ce que je vais faire. Ce que je ne vous ai pas montré. Bon, je vous ai pas montré aussi cette partie-là. C'est pas très très intéressant. Il y a un lac. Il y a l'entrée des égouts.
Peut-être qu'il doit y avoir un événement. Je pense que je peux trigger un événement. Il y a plein d'événements à trigger comme ça. Mais pour ça, il faut avoir les bonnes conditions. Au tout début, c'est pas très compliqué. Les conditions, c'est généralement, c'est la journée. Enfin, c'est au tout début, en fait, tous les éléments de la ville commencent à se mettre en place. C'est pas aujourd'hui, on dirait. Les événements se mettent en place. Donc, je crois que tous les 2, 3, 4 jours, il y aura des gros événements qui seront notifiés par des petites cinématiques, notamment l'entrée des égouts pour vous dire comment y accéder, c'est ici. Voilà. Donc là, il y a la tour du magicien qui vous permettra de... Ah, j'aimerais vous spoiler un petit peu, mais en même temps, c'est un petit peu compliqué, parce que il y a énormément de choses à faire dans le jeu, j'ai énormément de choses à vous dire, et en même temps, j'ai pas envie que la vidéo elle dure 50 milliards de minutes. Ok, voilà, c'est fermé, il y a un magicien à l'intérieur, il fait des petits trucs magiques, on aura besoin d'aller le voir pour le centre communautaire. Mais je pense que tout ça, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la fin de la nuit. Je vais carrément aller dormir tout de suite, même s'il est midi passé. Parce qu'en fait, là, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui est débloqué aujourd'hui. Tout ce qu'on a récupéré, c'est la bamboo pole. Ce qui est plutôt pas mal, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me pioter. Je devrais pas le faire parce que j'ai encore énormément d'énergie. Les premiers jours, faut vraiment optimiser si vous voulez aller vite. Pas prendre trop de temps, faut vraiment optimiser un peu en utilisant au maximum votre énergie pour enquiller le plus vite possible. Donc là, en l'occurrence, faudrait que je pêche et tout. J'ai un peu la flemme. Un peu grave la flemme, ouais. Hop, hop. On va aller dormir. Et donc là, vous allez avoir le récapitulatif quand vous avez mis les trucs dans le coffre de la juste à droite, là. Ça, c'est le récapitulatif de la vente de tous vos items. Donc voilà, 600 vendus. C'est pas mal. Donc voilà. Ce que je vous propose, du coup, en ce troisième jour où il pleut en plus, c'est super, tiens. En ce troisième jour du printemps, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là cet épisode. Dans le prochain épisode, je vous montrerai un petit peu tout ce qui est... Tout ce qui est merde. Tout ce qui est social, tout ça, la mine, les combats, il y a vraiment encore beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Il est bourré d'informations, je sais, j'ai fait que parler, je sais. Mais, je vous enjoins vraiment à creuser un petit peu le jeu. Il est pas très très cher, je crois qu'il coûte 12€ sur Steam hors solde, donc moi je l'ai eu encore moins cher. Vraiment, il vaut le coup, il vaut le détour, il est sorti un petit bout de temps, c'est un jeu indé. Foncez, c'est de la bonne cam, c'est vraiment de la super cam. Et voilà, ce que je vous propose, c'est que dans 4 jours, on se retrouve pour encore plus d'informations. Je vais pas arrêter de parler dans le prochain épisode, c'est sûr. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, à partager la vidéo, tout ça. Et puis voilà, allez, à dans 4 jours, salut à tous, portez-vous bien.